Nan moment là, TikTok gen un pile problème, gen pile pays, un pile organisation qui déjà banni application TikTok là. Raison an, c'est que yo fait connaître TikTok ta gen un lien ensemble avec parti communiste chinois. En menant vidéo ça, m'va l'expliquer très rapide. Qui côté problème ça au sorti? Qui origine application TikTok là? Et pour qui raison yo pensez que TikTok lui-même li pas honnête ensemble avec utilisateur yo? C'est ça m'va l'expliquer très rapide dans vidéo ça. En aller. Nous saluons tout le monde qui tombe sur vidéo. Ça, c'est toujours un plaisir pour moi. Même à chaque fois, j'ai une possibilité pour partager des informations qui sont vraiment intéressantes ensemble avec vous. Et si toutefois, pour vous abonner sur la page là ou pour vous like la page là, je vous invite à faire ça et partager des informations avec vous. Vous pour que nous enjoyons cette vidéo ensemble. Une information qui est très importante, vous devez connaître, c'est que dans toutes les réseaux sociaux qui existent, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, un paquet l'autre encore, mais dans ce moment là, pour quand c'était temps moun passer sur application ça yo mais TikTok c'est number one. Moun yo actuellement là yo passer plus temps sur application TikTok là. Mais qui côté application TikTok la sorti en 2012, une société chinoise qui lance première application yo qui relé Toutiao. Toutiao ça c'est un mot chinois qui veut dire alay. C'est une application qui était là pour être capable bail information etc. Mais même société ça, son société qui très focus sur intelligence artificielle tout. C'est peut-être ça en 2016, yo va lancer un film qui relé ByteDance AI Lab. Film ça lui-même il était là pour être capable faire traitement donné, reconnaissance vocale, apprentissage automatique etc. Tout ça même yo regroupé en dedans question intelligence artificielle là. Et dans même année 2016 là, même société ça a créé les ByteDance là, li lancé yon lot app qui est les Douyin et jusqu'à présent app ça lui-même toujours fonctionné. Douyin là lui-même c'est un app même avec TikTok partager des vidéos qui très courtes mais seulement qui pas international qui était seulement pour marché chinois. Lorsque nous regardé yo wè Douyin a bien fonctionné sur marché chinois là, en bien nous connaît que Chine avec Inde, c'est deux pays qui gen plus moun dans monde là. Actuellement là en Chine gen 1.4 milliard moun qui vivent sur territoire ça, en bien n'ego décidé dans l'année 2017 lancer yon l'autre version Douyin mais de façon internationale. C'est ça qui va le bannou ça nous relé TikTok jounen jodi an qui nan pi fò peyi nan mond la. Yon nan bagay ki pral fè TikTok te fè yon boum ou bien te explosé sou marché international la, surtout aux États-Unis, c'est que ByteDance te pral décidé acheter yon lot app ki rele Musical.ly. Musical.ly ta fè même bagay wè TikTok a fè jounen jodi an. Moun yo te kon publie vidéo 15 secondes sou li, mete musique, danser etc. À l'époque en 2016, Musical.ly te gen environ 160 millions utilisateurs et chaque jour, tu as environ 12 millions de nouveaux vidéos qui t'ont publié sur application ça. C'était une application qui était vraiment très populaire. En France seulement, tu as 28 millions de monde qui t'a utilisé application ça. En bien ByteDance lui-même en 2017, tu as décidé acheter application Musical.ly pour une somme de 1 milliard de dollars. Et après fusion ça, Musical.ly avec TikTok, TikTok explosé, tout le monde l'a utilisé TikTok, surtout aux États-Unis, en pile monde commencé télécharger application ça, utiliser application ça, ça t'a pas créer un gros problème dans le monde là et surtout aux États-Unis. Trump en 2020 était sous pouvoir, il t'a pas tenter essayer bannir application ça aux États-Unis, mais ça qui pas arrivé fait et après ça il t'a pas même tenter tout faire que Microsoft lui était acheté application ça, ça tout qui pas arrivé fait et jusqu'à présent pour les mix ali toujours là et m'va l'expliquer pour qui raison yo croit que TikTok lui-même gen lien ensemble avec gouvernement communiste chinois. Polémique ça tellement aller loin, actuellement là gen États-Unis, Angleterre, Canada et un paquet d'autres pays en Europe décidé pour moun k'ap travaille dans bureau l'état ou bien dans gouvernement pas installer application ça sur téléphone yo et gen des organisations, gen des banques aux États-Unis qui décidé faire même bagala tout qui interdit moun k'ap travay nan bank sa installer application sa sou téléphone yo. Kounya la question te capable poser me c'est pour qui ça? Bah m'explique. Yon nan première raison li très simple, c'est contrôle de masse ou bien surveillance de masse. C'est que par rapport avec données ou bien data que nèg yo même yo gen sur chaque utilisateur yo, yo capable influencer yo nan paquet l'autre domaine. Te gon gros scandale comme ça aux États-Unis avec yon firme qui te relé Analytica, en ben li même yo te récupéré un paquet de données sur utilisateur Facebook yo et yo te al tenté influencer élection qui te gen aux États-Unis. Et jusqu'à présent, nous connaissons scandale ça, li poko
jam fini, il y a pile enquête qui a mené pour demander est-ce que vous pas influencer l'élection. Trump qui te gagne en face de Hillary Clinton. C'est une bagaille qui fait que vous pensez que TikTok lui-même, il y a pile données utilisateurs dans mail, il est capable d'influencer dans paquet de notre domaine. La deuxième raison qui gagne, c'est question espionnage qui gagne dans le monde. Là. Vous avez fait connaître que en bien Biden lui-même, il a un lien qui est très étroit ensemble avec le gouvernement chinois. Et vous avez même fait connaître que TikTok il gagne accès à tout ça qui est sur le téléphone. Nous. Vidéo, images, cartes bancaires, toute information qui gagne de façon personnelle sur le téléphone, vous avez fait connaître que TikTok lui-même gagne accès avec vous tout. Et bagay ça a tellement allé loin dans l'année 2020. Pays int choisi banni application TikTok là sur tout territoire et dans moment ça int c'était pays qui était plus monde qui t'a utilisé TikTok yo t'ai choisi banni application TikTok là ça qui était une grosse répercussion sur application TikTok là d'après Biden yo toujours fait connait dans n'importe communiqué yo a fait yo toujours fait connait pas grand qu'un lien entre yo même avec gouvernement chinois mais ça pas une raison qui fait que moun yo toujours gagne des doutes par rapport avec des informations que yo gagne de Biden avec le gouvernement chinois. Par exemple, Pékin, c'est une actionnaire dans la firme ça ou bien dans la société ça qui relève Biden. Malgré Pékin, il y a 1% seulement dans la société, en bien, c'est une actionnaire. Nous connaissons un actionnaire, il y a des informations ou bien il y a des accès que il y a dans l'entreprise. L'autre raison encore, c'est que Biden lui-même était déjà un problème avec le gouvernement chinois. Il y a un paquet de contenu sous application Douyin qui c'est en Chine seulement. Il y a un paquet de contenu vulgaire, un paquet de contenu qui vraiment malsain qui était qu'on a publié sous application. Et le gouvernement chinois a râlé les oreilles et depuis le ça, il y a employé environ 4000 nouveaux mouns juste une façon pour capable contrôler contenu au plus pour capable bannir tout le monde qui t'a gagné intention pour capable publier des vidéos malsains ou bien des vidéos qui vraiment vulgaires sur plateforme ça. Une autre bagarre encore qui vraiment suspect c'est que Biden lui-même il fait partie d'une fédération chinoise qui l'a pour protéger et faire promotion pour valeurs sociales chinoises. C'est que en dans fédération ça gagne environ 300 à 400 sociétés ou bien firmes qui fait partie là-dedans. Et d'après statut fédération ça, toute société ou bien firme qui c'est membre dans fédération ça, gouvernement chinois gain accès pour capable superviser données ou bien data utilisateur qui en dans entreprise ça. C'est juste une façon pour gouvernement chinois qui en place là lui-même, li capable protéger cyber espace pays la Chine. Une autre bagaille qui vraiment suspect dans question ça, c'est que en 2017 t'es une loi qui t'est votée en Chine pour question l'enseignement pays. Qui ça lit? C'est que loi ça dit c'est une obligation pour toute entreprise locale en dans la Chine mettre à disposition l'État toutes données personnelles en utilisateur local ou international qui gain rapport avec sécurité pays. Ça veut dire qui ça? N'importe monde qui gon problème avec pays la Chine. N'importe entreprise qui en dans pays a qui gagne information sur moun ça de façon nationale ou internationale li doit mettre information ça à disponibilité l'état dans pays la Chine. Et ça qui fait que en pile l'autre gouvernement pense que Biden lui-même n'a travaille de main en main ensemble avec gouvernement chinois. Pour y venir faire vidéo à amis, c'était un plaisir pour moi-même pour me déposer information ça pour. Si toutefois tu apprécies vidéo à fais-nous comme ça dans les commentaires. Et si vous connaissez que nous pas dit, fais-nous comme ça dans les commentaires. Et partagez la vidéo, ça, like page là, si vous faites ça. Partagez la vidéo avec des amis ou famille pour nous avoir des informations pour nous comprendre comment pour que nous utiliser l'application TikTok là. C'est un plaisir. Nous bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo qui est vraiment intéressante. Ciao, ciao.